Allez dire ça au Covenant. KO Flying Squadron 2. Salut les amis, c'est Joazar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma série Press Start Button. Et cette fois-ci, ça sera sur le jeu KO 2 Flying Squadron. Un jeu de Victor Entertainment distribué par JVC. Donc c'est la suite d'un jeu qui était sorti sur Mega CD, KO Flying Squadron. Et le premier en fait sur Mega CD, c'était un shoot à scrolling horizontal. Tandis que celui-ci, il y a certaines phases de shoot, mais c'est en grande partie donc un jeu de plateforme. Donc on va redécouvrir ça ensemble. Donc on va aller voir les options. Attack jump, difficulty, hard. On va le laisser en easy. Pour la vidéo, yops, et voilà. Alors extra, qu'est-ce qu'il y a? Tout à Webesco, etc. Hop. Voilà, donc on va commencer. Un jeu très coloré, un très très beau jeu, un magnifique jeu même. Franchement, moi j'adore. Donc, chapitre 1. Donc voilà, vous voyez. Donc James le sait. Gotcha. Yep. On attrape les petits lapins dorés. Ouais, les petites animations en premier plan et tout, c'est assez bien fait. Je pensais qu'il allait venir par ici. Tone Clitter. Donc ça, normalement, si on le retire, je pense qu'on perd des points. On va essayer, hein, on va... Avec le A. Et on peut le lancer sur les ennemis. Ouais, là, elle a dur, hein, elle monte les dents. Je l'ai même pas touché, vous voyez, j'ai perdu 3 points. Ah ouais, si je peux choper son arme. Minx. J'aurais dû peut-être sauter dessus pour attraper les petits lapins. Donc c'est un jeu assez coloré, assez chouette, franchement j'aime bien. Je pense pas que le jeu soit très connu non plus, celui-ci. Tout comme le premier, oups, sur... Mega CD. Allez, vas-y, passe. Oh. Merde. Gotcha. Si je me trompe de bouton, ça va pas. Bon, on va récupérer les petits lapins. Ici, il y avait un truc. Et là, on retombe tout en bas. Praline. Chiara. Évidemment, je le lance encore trop loin. Gotcha. Ah,
ça fait office de checkpoint, le petit dragon, si je me souviens bien. Gotcha. Ouais, donc par là, il n'y avait plus rien. Oh. Merde. Bon, alors, ça pour récupérer un marteau. Et là, comment ça se fait que je suis tombé? J'appuie sur le bouton de saut. Ça faut le faire. J'ai perdu un point parce que j'ai cassé un élément du décor. Par là, il n'y a plus rien. Allez, hein. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Ils sont en train de ventiler là, regardez-moi ça, ils ont du mal. Gotcha. Beat it. Bingo. Voilà, un petit combo. The orbs originally belonged to our ancient kingdom, si je me souviens bien, à la fin du niveau. Oh là là, c'est le boss. Oh non, j'ai eu peur du coup. J'ai rien à faire. Pinks, ah ouais, ça c'est automatique. Je me demandais quoi. Allez, on va avancer. Oh là là, elle avance toute seule. Allez. Chargement. Allez, scène 2, les cavernes. Gotcha. Gotcha. Parapluie, ça sert corps à corps. Hop, on dépose là. Ça sert à attaquer aussi. Oups. Ce qui est bien, c'est quand on maintient la direction, elle se met à courir, donc... Merde, j'attendais pour aller lui foutre sa rouste, mais bon, je vais pas risquer. What are you doing? Oh, no. Oh merde, je suis mouru bêtement là. Je pensais que je pouvais leur donner un coup de pied. Oh, no. Wouch! Bah enfin, là c'est complètement con. Gotcha. Oh là 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 là. Ow. Mais enfin, je tape avec le parapluie. Gotcha. Évidemment. Ow. Maintenant, je vais foirer tout. Ow. Oh là là, c'est pitoyable. Et quand on s'énerve comme ça, ben, on fait encore moins bien. Oh.
Tu vas me laisser ce parapluie de brin là. À l'heure, j'ai passé ce passage du premier coup. Que je pouvais ouvrir mon parapluie là, j'ai essayé tous les boutons mais ça n'a rien fait. Là, je vais faire gaffe de pas me manger un coup de pelle. Ah ben, j'ai rien à faire lui de toute façon. Un petit checkpoint qui est bienvenu. Ah ben ici je pense que je vais avoir besoin. Attends, à chaque fois qu'ils se remettent en route à souffler pour aller à la plateforme suivante, je me souvenais plus. Et si je saute pas, bien sûr, elle ne monte pas. Bon là, on va faire gaffe. Un jeu très difficile mais bon, il faut prendre son temps. Et alors oh merde, ça c'est complètement absurde. Je pensais que je pouvais aller. Non, c'est bon, je pense du moins. Yup. Et voilà mon pote, le dragon. Il est tout mignon, franchement, il est super joli. Donc normalement ici, ça va être une petite séquence de shoot. Super kawaii, super mignon. Un petit peu dans l'esprit Parodius. Les musiques sont assez chouettes aussi et les décors de fond également sont jolis. Ah, les pêcheurs là qui chopent des poissons et on doit faire gaffe de ne pas se ramasser sur la tronche. Ici Cupidon qui essaye de faire la sienne
Franchement, il est excellent ce jeu. Si vous n'avez pas et que vous avez une Saturn, je vous le conseille. Tout comme je vous conseille également le tout premier sur Mega CD qui était excellent, franchement. Qu'est-ce que je regrette de l'avoir liquidé à l'époque, celui-là. J'aimerais bien le récupérer, mais bon, il a... La cote de ce jeu a augmenté assez bien. Allez, le gros poulet. La cupidon. Par leurs journaux là, enfin, je pense que c'est des journaux, je sais pas ce qu'il en sait. Une vie, merde, je l'ai pas eu. Je m'en souvenais plus, hein. Franchement, c'est super bien fait aussi. Wow! C'est lui par derrière, là, il m'a bien niqué. Regardez à combien de temps on est, 17 minutes. Miette, miette. Ah, si, c'est le boss apparemment. Hey, only men are allowed here. That's right. Can you move out of my way? I'm busy looking for treasure. Gotcha. Gotcha. That's it. Purée, je me souviens même plus. Watch your mouth. Oh. Gotcha. 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 La toupie maintenant. Oh là là. Mais non, saute pas dessus hein, en plus, crétin. Bon, on va essayer. Si on recommence de là, j'espère. C'était bien parti pourtant. Miaté, miaté. Ouais, miaté, miaté. Hey, only men are allowed here. That's right. Can you move out of my way? I'm busy looking for treasure. Gotcha. That's it. I'm gonna squash you flat. Watch your mouth. Allez, allez. Ouh là là. Gotcha. Beat it. Thank you.
maîtrise de son crayon là maintenant. Je vais tracer la route. Enfin, j'ai sauté dessus. Mais enfin, putain, elle va pas. Putain. Oh, il m'a saisi ce con. Oh, j'espère que je l'ai eu qu'il va pas venir s'écraser comme une grosse flotte. Sur ma tronche. Oh nom de Dieu. Comment il m'a saisi ce con. Excellent. Bon, j'aurais bien encore fait un petit niveau avec vous, parce qu'il y a que 21 minutes, mais ici je dois partir. Donc, je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo, donc sur Kaio Flying Squadron 2 sur Sega Saturn. J'espère que la vidéo vous a plu autant que j'ai pris du plaisir à y jouer. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un let's play sur ce jeu. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On verra bien selon vos retours si j'en ferai un ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao.